Et au niveau agricole, en accompagnant les agriculteurs pour semer et produire pour notre compte 3 500 000 tonnes de graines oléagineuses, le secteur va créer 100 000 emplois dans l'agriculture, un nouveau projet dans l'industrie pharmaceutique, où nous allons produire à Dalbeida, c'est sur le site, l'ancien site de Hyundai, que nous allons lancer la production pharmaceutique pour produire des solités massives. On doit produire 100 millions de poches de solités massives. 50% c'est pour le complément des besoins du marché algérien, parce que l'Algérie importe aujourd'hui 50 millions de solités massives. Les solités massives, c'est les sérums, des sérums glucosés et des sérums salés. Et nous allons produire aussi d'autres médicaments, des antalgiques, des antibiotiques et d'autres médicaments dans l'oncologie. Mais c'est des médicaments d'injection. Écoutez, nous avons aujourd'hui des projets dans la production des pièces détachées automobiles. Nous allons produire des pièces détachées automobiles dans le verre et dans d'autres, dans le verre automobile et dans d'autres secteurs. Mais on ne va pas produire uniquement pour le marché algérien, parce que le marché algérien de l'automobile n'est pas suffisamment grand pour rentabiliser des usines de production de pièces détachées. Si vous produisez aujourd'hui, vous faites des usines pour produire pour 200 000 ou 500 000 voitures, ce n'est pas rentable. Vous n'avez pas atteint la taille critique. Donc aujourd'hui, nous avons l'intention de produire des pièces détachées automobiles et pour le marché algérien et pour le marché européen ou le marché mondial. Parce qu'il y a un problème de taille critique. Vous ne pouvez pas rentabiliser votre projet si vous produisez, par exemple, que pour 300 000 ou 400 000 ou 500 000 véhicules. Il y a la taille critique, c'est pour 1 million et demi de voitures, minimum. Et ça, nous avons des projets dans ce sens. Par la suite, nous allons voir avec qui nous allons nous associer pour produire des marques automobiles. Et nous sommes en train de réfléchir déjà pour y aller vers les moteurs électriques pour les véhicules. Soit des véhicules électriques à partir des batteries, soit à partir des batteries et aussi avec des piles à hydrogène. C'est inutile aujourd'hui
d'aller produire des moteurs à essence ou à gasoil, puisque les pays développés dans le monde, que ce soit en Europe, aux États-Unis, en Chine, au Japon, ils sont en train déjà de virer vers les énergies renouvelables. Et donc, nous avons l'intention d'aller directement, une vision d'aller vers les moteurs qui vont fonctionner avec des énergies renouvelables. Moi, je n'aurais pas fait ce qu'il est en train d'être fait aujourd'hui, parce que je considère que ça ne crée pas de valeur ajoutée pour notre pays. Nous investissons toujours dans des activités où on peut créer plus d'emplois en Algérie et plus créer... On a été chercher à l'international un levier de croissance pour mieux nous développer encore en Algérie. Si on n'avait pas racheté Brandt en France, si on n'avait pas bénéficié de 1300 brevets en rachetant Brandt, et si on n'avait pas bénéficier de 4 marques prestigieuses de renom mondial comme Brandt, Sauter, Vedette, Didetrich. Si on n'avait pas, en rachetant Brandt, bénéficié du réseau de distribution au niveau mondial, comment créer en Algérie un très grand complexe d'électroménager qui va employer 7500 collaborateurs et 90% de cette production est destinée à l'exportation. Écoutez, à partir du moment que cette richesse, nous l'avons créée, et nous l'avons créée en toute transparence, et que cette richesse sert beaucoup le pays. N'oublions pas que Cevital est le premier contribuable au budget de l'État dans le secteur privé. Nous sommes deuxième après Sonatra. Nous sommes le premier exportateur hors hydrocarbures. Et nous sommes le deuxième après Sonatra. Et nous sommes en train de continuer à le faire dans ce sens. Bien sûr que c'est une fierté
et pour Cevital et pour les actionnaires de Cevital et pour ma famille et pour les employés de Cevital et je pense aussi pour toute l'Algérie. Nous sommes un patrimoine national. Le plus important, c'est que nous, toutes les richesses que nous avons créées ont été créées en toute que si nous achetons un seul, on n'a pas le droit d'acheter un deuxième, selon la réglementation. Nous aimons les jeunes. Cevital, c'est une entreprise citoyenne. Nous aidons les jeunes dans le domaine sportif, comme nous aidons les start-up dans le domaine d'innovation ou dans le domaine industriel. Et nous considérons nos jeunes comme la plus grande richesse du pays. C'est eux qui vont construire l'Algérie de demain.